Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Horse Valley. Donc, déjà, je tenais à vous prévenir car je ne peux pas tourner de vidéo sur OTG car en fait, à chaque fois, ça reste sur la page avec les saisons. Donc, là, dans les vidéos, vous ne l'avez pas vu, j'ai regardé, j'ai checké avant. Et en fait, ça reste comme ça bloqué. Du coup, je peux pas. Et du coup, je vais me rabattre sur Horse Valley. Donc, je vais pas changer de ce qu'il y avait avant la deuxième vidéo de ma chaîne. Et ben, en fait, je vais vous présenter mes chevaux et mon ranch parce que mon ranch a beaucoup changé. Et je le trouve incroyable, vraiment. Et aussi, niveau terme de prix, il a coûté très cher. Très, très cher. Donc, on va commencer par les chevaux. Donc, il y en aura bien sûr certains que vous reconnaîtrez parce que ils étaient là dans la dernière vidéo, enfin, dans la première vidéo comme ça. Et là, ils y sont encore. Bon, il y en a un qui a. Enfin, je vous raconterai son histoire après. Enfin, je sais pas, je verrai. Donc, c'est parti, on commence. Donc, déjà, alors, bon, on se moque pas des prénoms. Atium, voilà, c'est un paint horse. Ensuite, il y a Bubble Tea, voilà, un paint horse croisé frison. Ensuite, Pistache, un pur sang arabe croisé quarter horse. Donc, vraiment, j'ai galéré à l'avoir. Tapioca, qui est un Appaloosa, c'est le nouveau cheval qui a eu un poulain. Et j'ai pas encore la jument, pour retremper un deuxième. Kiwi, voilà, classique, mignon, j'aime bien. Toile. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Kiwi, c'est un quarter horse croisé andalou. Toile, c'est un paint horse croisé quarter horse. Mako, que vous connaissez déjà, mais c'est un nouveau car je me suis fait arnaquer le mien et je l'ai jamais retrouvé. Du coup, j'en ai racheté un. Et du coup, je l'ai remis au max. Du coup, c'est Mako 2.0. Que j'ai pas appelé Mako 2.0, sinon c'est un peu bête. Ensuite, Abaco, qui est toujours le même que vous avez vu dans la deuxième vidéo de ma chaîne. Oui, le tout premier truc que j'avais fait comme ça, c'était lui. Et ça a toujours pas changé, je l'ai jamais vendu. Je l'ai toujours. Ensuite, Pommelé, qui est ma jument, voilà, en galou. Classique. Automne, je crois que vous ne connaissiez pas. Parce que, ouais, non, vous ne connaissiez pas. Ben voilà, c'est un Clizetzal croisé andalou. Ensuite, Chi, que vous connaissez déjà, qui est un pur sang arabe croisé andalou. Bien sûr, elle, c'est toujours la même, mais cette fois-ci, elle est au max. Je l'ai entraînée, enfin, je l'ai fait entraîner par Rachel. Spot, je ne sais pas s'il y était. C'est un paint horse croisé andalou. Andalou, qu'est-ce que je raconte? Un paint horse croisé Clydesdale. Grey, c'est un andalou croisé Morgan, si je dis pas de bêtises. Non, croisé Turkbred. Vous vous souvenez de l'amiral? Ben voilà, c'est lui. Ensuite, Tarly. Bon, j'ai dû lui donner un surnom parce que Tarly en lui-même, ça passait pas. Du coup, c'est un paint horse croisé andalou. Franchement, un de mes poulains préférés avec Mint qui est toujours là. Ensuite, bah tiens, on y vient. Mint, elle y était parce que c'est même la. Elle est même en. Ah, en miniature sur cette vidéo, sur la vidéo en question. Et oui, c'est bien elle, ça n'a pas changé. Et bon, vous vous souvenez même, on l'avait mis en max ensemble. Elle est toujours en max, hein, c'est pas possible qu'elle rebaisse de niveau. Voici le petit nouveau Sushi que j'ai réussi à mettre niveau 20 partout. Alors, je sais pas comment j'ai fait, sachant que j'avais pas le mode sauvage. Et là, du coup, je l'ai. Coucou. Ensuite, Sirieux que vous connaissiez pas parce que c'est pas un petit nouveau. Vous savez, c'est les spirites et j'ai réussi à les changer contre un poulain que je devais faire pour une amie. Enfin bref, voilà. Et qu'au final, elle n'a pas pu prendre. Que je n'ai jamais trouvé. Du coup, là, il s'appelait déjà Thirio. Du coup, je l'ai laissé nommer Thirio. Moonlight, que vraiment, elle est trop belle. Mais je n'arrive pas à la mettre niveau 20, elle est trop dure à entraîner. Et pour finir, Transparent, que vous connaissez pas non plus. Voilà. Donc, pour les chevaux, c'est tout. Et aussi, je vous dis
les races pour vous, enfin les croiser et tout, pour vous puissiez savoir, les mélanges si ça vous intéresse au lieu de demander en commentaire et tout, sachant que vous pouvez revisionner.